tous heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 19 janvier 2023, 8h40, heure du Québec. J'espère que vous allez bien en ces temps vraiment très étranges, où toutes les planètes sont alignées pour qu'il y ait tellement de... On en parle souvent ici ensemble, de changement de cycle. Et c'est un derrière l'autre, les défis qui nous attendent, je ne sais même pas si on est capable de les relever, mais la misère est là, déjà installée au sein de la population mondiale, au sein du troupeau. L'élite sera toujours à l'abri de la misère. C'est elle qui nous donne la misère. Elle s'assure de s'en exclure. Pendant qu'il y a la réunion du fameux Forum économique mondial, où vous, bientôt, parce que ces gens-là ont un seul but, c'est tous des vieux blancs en plus. John Kerry, hein, l'ancien secrétaire d'État. Quel fraudeur, avec même Al Gore qui est allé faire une visite. Il dit, on a l'air d'être des extraterrestres. Je vous reviendrai avec ça un peu plus tard. Dans la journée, cet extrait-là, ils ont l'air d'être des extraterrestres. On est vraiment, ici, dans cette salle-là, tous des privilégiés. Puis c'est extraordinaire qu'on ait tous le même but. On a l'air d'être une bande de... On nous traite de gauchistoïdes, hein, illuminés, mais on a tous la même intention, sauver la planète. Le gars, il a 80 ans, il vient en jet privé. Ils ont tous des jets privés, ils ont tous des bateaux, ils ont tous des collections de voitures, ils ont tous des maisons partout, une énergivore. Mais... Ça mange tout des filets mignons, des crevettes, des homards. Mais selon Klaus Schwab, qui lui est rendu à 88 ans. You're gonna eat the bug. The bug. We're gonna eat the bug in the misère. Pendant ce temps-là, ça je reviens là-dessus un petit peu plus tard. The bug. The problème en ce moment. Et... Je ne veux pas trop en parler de cette histoire-là, mais il y a beaucoup trop de références, puis on le voit, il y a une explosion de l'industrie militaire, du complexe militaro-industriel de partout. L'Inde, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Europe. Il n'y a pas un pays qui ne se lance pas dans l'armement. C'est complètement cinglé. C'est tout ce même monde-là qui sont à Davos pour te dire... que toi, tu devrais te serrer la ceinture, te promener en trottinette électrique et eat the bug. You like the bug? Donc, pendant ce temps-là, et c'est une nouvelle qui vient d'être publiée par Yahoo, c'est rapporté par Reuters et c'est Medvedev. Parce qu'on le voit, il n'y a personne qui veut parler de paix en ce moment. C'est assez étrange, hein? Puis on est là à pomper de l'argent et des armes en Europe. Et Medvedev, l'ancien président russe qui n'a pas été là longtemps, un petit terme pour changer la Constitution pour permettre à Poutine de revenir, avertit l'OTAN qu'une guerre nucléaire va être inévitable si la Russie est vaincue. Tu sais, c'est quand même du monde important, là. Puis il envoie un message parce qu'on voit l'Allemagne, puis je vais revenir là-dessus, mais là, je vais juste vous montrer. Les États-Unis et l'Allemagne se dirigent vers une confrontation sur les chars pour l'Ukraine. On veut envoyer tellement de chars d'assaut, là. L'Ukraine, hein, a plaidé pour que l'Occident lui envoie enfin des chars lourds afin que les chefs de la défense des États-Unis et de l'Allemagne se dirigeaient vers une confrontation sur les armes qui, selon Kiev, pourraient décider du sort de la guerre. Selon le secrétaire de la défense américaine, Lloyd Austin, qui était en Allemagne jeudi pour rencontrer le nouveau ministre de la Défense, quelques heures après le décès de l'autre dans un accident d'hélicoptère. On a décidé d'envoyer des milliards de dollars, naturellement, qui sont attendus, de pays comme le Canada, les Pays-Bas, la Suède, qui ont déjà annoncé de nouveaux ensembles de véhicules blindés de défense aérienne. Donc, ce que... Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Il n'y a personne qui parle de paix là-dedans. Ça, c'était un autre aspect très étrange. Et que tous tes médias qui n'arrêtent pas de... qui nous brisent vraiment les oreilles avec l'agenda gauchistoïde de sauver la planète, qui veulent que tu manges the bug, puis que tout est offensant pour eux, puis que tout est offensant.
Ça ne les offense pas que personne veuille parler de paix. Les autres sont là à promouvoir ce complexe militaro-industriel. Sans vergogne, hein, les médias, vraiment, wow. On comprend pourquoi la majorité des gens les ont au bas de tous les sondages, dans la perception et dans le respect. Hein. Ils sont presque au même niveau que les vendeurs de voitures maintenant. Donc, l'ancien président russe Medvedev, allié du chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a averti jeudi l'OTAN que la défaite de la Russie en Ukraine pourrait déclencher une guerre nucléaire. Sur un ton similaire à ce qu'il décrit comme une période anxieuse pour le pays, le chef de l'Église orthodoxe russe a déclaré qu'essayer de détruire la Russie signifiait la fin du monde. Zzz. Je veux dire une chose, ça sent vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Et plus ça va se... Et ça fait, hey, ça fait presque un an, là. Et on le sait, l'ensemble des pays de l'OTAN a une force vraiment supérieure militaire à la Russie, mais quand il est question d'armes nucléaires, en tout cas, je peux dire que ça sent vraiment le cramer, comme diraient nos cousins français. D'ailleurs, que je salue les amis européens, compatriotes québécois et tous ceux qui sont abonnés. Merci de l'être. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. L'allié de Poutine avertit l'OTAN d'une guerre nucléaire si la Russie est vaincue. Je ne sais pas si c'est des bonnes nouvelles, mais à première vue, ça a l'air d'une vraiment mauvaise nouvelle. The bug on the menu very soon. À plus tard.